5 consoles, des manettes et une centaine de jeux plein l'armoire, Caroline est ce qu'on appelle une gameuse, une fan de jeux vidéo. J'ai commencé à jouer à l'âge de 10 ans. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, du coup je les ai toutes gardées et je continue en fait à y jouer et puis à embellir ma collection. Dans une autre armoire, une pléiade de jeux de société. Donc là on a Le Risque, ensuite bien sûr il y a Hotel, HeroQuest. Celui-là il est rare et il vaut de la nuit. Hein. Bonjour. Caroline est agent communal à la mairie de Soffelweyersheim. Sa passion, elle la partage avec ses amis, Christophe et Alan. Impensable pour eux de rater la 3e édition du Pix & Game, organisée par l'espace jeunesse du village. On touche un peu tous les types de personnes, on a pas mal d'enfants qui viennent pour essayer les consoles, les jeux rétro, des adultes qui viennent souvent pour les jeux de société ou qui viennent avec les enfants justement. On a vraiment un public très large. Premier jeu pour nos gamers, Mario Kart sur PS1. Caroline a rencontré Alan au collège. Avec Christophe, elle jouait déjà il y a 3 décennies, souvent chez lui, à Resident Evil. J'allais tout le temps chez lui pour y jouer, parce que moi je l'avais pas, j'avais pas la console encore. Et alors lui il jouait, puis moi j'étais à côté, puis je regardais en fait le jeu et on s'entraidait comme ça quoi. C'est un petit peu un retour aux sources quoi. Un retour aux sources pour une génération qui a connu Amstrad et Atari. Une époque où il y avait tout à découvrir. Le fait de voir les premières consoles arriver avec des jeux cartouches, hein, donc pas de temps de chargement, qui demandait certes une terrible dextérité, mais non, c'était vraiment chouette. Hein. Quand les jeunes jouent à Splatoon, les anciens sont plutôt Worms. C'est un jeu qui est sorti sur la première PlayStation et qui est décliné maintenant sur toutes les autres consoles depuis. Quoi. Jouer en réseau n'est pas dans leur ADN de gamer. Chacun joue chez lui encore chaque semaine et régulièrement ils se retrouvent. On préfère être ensemble devant un écran, discuter, se charrier. Se retrouver tous derrière le même écran, bah, c'est un côté convivial aussi. Quoi. Attention. Vous diriez que vous êtes accro aux jeux vidéo ? Vous êtes trop par se regarder ? Ouais. Ouais, moi je kiffe. Hein. Je sais pas vous, mais moi je kiffe. Un kiff, c'est aussi en substance ce qu'il faut retenir du Pix & Game qui a rassemblé près de 250 personnes autour des jeux vidéo et de société. Tournois, jeux en réseau, consoles de jeux d'un autre temps, jeux de société d'une autre époque, celle de Caroline par exemple. À la maison, elle prévoit d'installer un coin rétro gaming, de quoi y passer de longues soirées entre amis.